Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Il a été abattu de sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis 3 mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive? Je ne connaissais pas bien l'agent Miller, mais... ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais. Je suis désolé, lieutenant. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Pressentiment, hein? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Vous avez raison. Amanda. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc. Comment tu vas rencontrer ton créateur, Connor ? Qu'est-ce que ça te fait? Kamsky est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamsky ! Un instant, je vous prie. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants.
Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé! J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question, et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir qui est R.A.9. R.A.9. L'origine. Le premier androïde à s'être éveillé. C'est un phénomène étrange, comme une religion spontanée. Je ne sais pas qui est R.A.9. Je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. C'est peut-être un messie, ou bien ce n'est qu'un mythe.
Mais les déviants ont besoin de croire en une sorte de dieu, même si c'est irrationnel. C'est une chose qu'ils ont en commun avec les humains. C'est une question intéressante, Connor. Mais peut-être pas celle que tu aurais dû poser. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. T'as buté cette fille, bordel de merde! Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Tu as pointé le flingue contre sa tombe et tu lui as explosé la cervelle! J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. T'es une racaille! Tu ressens jamais rien! Une machine, c'est tout ce que t'es! T'es rien qu'une putain de machine! Bien sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'avez pris pour quoi? Je croyais que tu... Je croyais... Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois... très grisant. Et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici.
Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. Du suicide. On va tous se faire tuer, je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Tu es libre. Pourquoi? Pour que tu puisses passer la soirée à invoquer mon androïde? Oh, arrête tes bêtises. Viens avec nous. Tu n'as plus à leur obéir.
Tu es libre. Tu es libre. Je viens d'expliquer à votre collègue. Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Tu restes où tu es, saloperie de machine! Non, non, ne mettez pas en attente. Écoutez-moi bien. Je dois parer cette rue. Salut. Ouais, nickel pour moi. Tu es libre.
vitesse et vous envoyer à la casse. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, il y a des centaines. Des milliers. Et ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va! Affirmatif. À mon signal! Courez! Viens, Marcus. On doit y aller. Thank you.
Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je n'ai rien appris de nouveau chez Kamsky. Je croyais que Hera 9 était la clé du problème, mais... j'avais tort. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir ? Quelle est la position de CyberLife dans tout ça ? Que veulent-ils vraiment ? Tout ce que veut CyberLife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas ? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement ? Des doutes, des conflits ? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants ? Ou pour le lieutenant Anderson ? Je commence à avoir des pensées qui n'appartiennent pas à mon programme. J'ai envisagé la possibilité que je sois compromis. Tu as été confronté à des situations difficiles. Il n'est pas étonnant que tu sois troublé. Ça ne fait pas de toi un déviant.